Sous-marin pour madame. Emballé, c'est pesé. Garde le canal ouvert, Blazkowicz. On n'est pas loin. Je suis ton signal.
Blaskowitz. C'est le marteau d'Eva, ultime joyau de la flotte sous-marine nazie. Il y a un canon nucléaire à bord. Correction, neutre canon nucléaire. C'est pas les tripes qui lui manquaient au capitaine de ce foutu sous-marin, ça faut bien l'avouer. Il a emporté les clés de décryptage du canon nucléaire dans sa tombe. Il marchera pas? Pas les ogives nucléaires, en tout cas. Et moi qui crevais d'envie de fourrer une grosse bombe atomique dans le gosier du boucher... Bien, on n'a plus qu'à trouver ses clés. On peut pas trouver de clés de décryptage nucléaire sur cette planète. Elles sont stockées sur leur base lunaire. Les capitaines doivent les apprendre par cœur. Bien évidemment, il n'y a aucune base plus sécurisée que celle de la Lune. C'est sur cette base que les nazis mènent toutes leurs recherches. Ça veut dire quoi? Ah, Caroline et Anya travaillent dessus au QG. Yendala, on est arrivé. C'est un endroit très impressionnant, puissant pour la recherche magnétique. C'est... J'ai failli me chier dessus quand ce machin... Hein? Nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Là-haut, c'est la chambre secrète. Mais d'abord, nous devons activer les champs magnétiques pour créer une entrée. Cette machine-là, elle sert à contrôler les champs magnétiques. Oui. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! Oui, Monsieur Blaskowitz, montrez-moi votre arme laser, s'il vous plaît. Là, ce prisme de la Dacia Rudd permet de basculer le rayon laser de votre canon sur la bonne fréquence. Voilà, vous devriez pouvoir charger les bobines magnétiques. Vous les voyez? Tout là-haut. Je vais essayer de réparer cette machine. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un endroit très vieux, parmi tant d'autres. La Dacia Rudd a bâti ses cachettes avant que l'homme n'invente la boussole. Quand le but est clair, quand des gens se rassemblent pour la même cause, tout devient possible. Vous comprenez? Hein?